Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 12 Leçon Q. And in this lesson we'll see the first part of uh, a set of two videos, and the topic is almost identical words in English and in French. And we're talking about the words that will end in English with E C like that. And in French, that's the reason why they are almost identical. They will and with e, q, u, e. phonetically, it will be exactly the same. so i-q-u-e okay, but then we write it like that. keep in mind that the first rule uh, is that it must, of course, exist in french, and it's not all the time the case. and then in some cases, we will have few exceptions or modifications uh, possible. okay. so let's start. Académique Acoustique Acrobatique, angélique, aérodynamique, aéronautique, allergique, analogique, anarchique, antinomique, athlétique, antiseptique, arctique, argotique. Aristocratique, arithmétique, aromatique, artistique, asthmatique, astronomique, athlétique, atmosphérique, atomique, atypique, automatique, basique, bureaucratique. Catholique, céramique, chaotique, caractéristique, charismatique, civique, classique, climatique, clinique, comique, cosmétique, cosmique, cubique, démagogique. Démocratique, démographique, dermatologique, désertique, diabolique, diagnostique, diamétrique, didactique, dramatique, dramaturgique, dynamique, dynastique, écologique. Économique, égocentrique, électrique, électronique, emblématique, empirique, encyclopédique, énigmatique, épidémique, épisodique, esthétique, éthique, ethnique. Euphorique, évangélique, exotique, fabrique, fanatique, fantastique, fatidique, folklorique, frénétique, gastronomique, générique, génétique, géographique. And that's it for the first list of 80, 80 is quite much, <laughs> words ending with ik. OK, if you want more videos, then youtube.com slash imagier, then you can like me on Facebook. It's right here. Or if you want more material, then www.imagier.net. Have a great day. Bye bye.